beaucoup de vent. Nous sommes à mi-chemin entre Grand Junction et Moab et on est au Douay Bridge qui a été construit en 1913 et qui malheureusement a brûlé en 2008. Et il reliait justement ces deux villes au-dessus du Colorado. Et évidemment il y a un nouveau pont qui a été construit, mais quand il a été construit il pouvait quand même porter 21 000 livres, donc on va dire 10 tonnes. Donc plutôt un pont important. Et donc là on était sur un BLM qui est gratuit, on peut rester jusqu'à 14 jours et sinon après il faut bouger d'au moins 30 miles normalement. On est là, et Moab est ici, on a encore 128 là. On longe le Colorado. Montagne, t'as les petits pics un peu détachés, t'as les mesas sur les côtés, c'est paradis. Canyonland National Park, un pain de plus pour Joshua. Nous on l'avait déjà fait en 2012. Il y a 12 ans. Merci. Merci pour le coup. Et on va monter sur le dos de la baleine. Le Walrock. Walrock. Je sais jamais comment ça se prononce. Wal, je crois. Rock Trail. On s'est posé au camping du parc, on a de la chance, il restait des places. On est arrivé, il était 9h du matin, il n'y a que 12 places. Et c'est premier arrivé, premier servi. Mais surprenamment, là, il y avait pas mal de places, il y avait au moins 4-5 places de libre. Donc tentez votre chance, mais venez tôt quand même. Et là, on commence déjà à voir les paysages un peu impressionnants là, du parc, on va vous montrer ça. Et surtout ce soir et surtout demain. Et c'est parti. Oui. Et nous allons aller voir les deux points de vue, enfin, si on va jusqu'au bout, sur le Upival Dome. On va voir un petit peu ce qu'il en est, sachant qu'il y a une boucle qui fait tout le tour, qui fait 13 km, 400 mètres de dénivelé. Donc ça c'est une grosse rando. Vous pouvez être préparé pour celle-là si vous voulez.
Ouais, j'ai mis la capuche, il fait froid, il y a du vent. Le vent est assez froid. L'avantage d'être juste au camping à côté, c'est qu'on peut venir à pied ou en trottinette. En plus, ce soir, là, il y a Ranger Talk. On va écouter ça. Je sais pas ce qu'il va apprendre. Mais la vue est juste waouh, comme disait Joshua. Bonjour. J'allais dire Arches, mais pas du tout. Canyonland, Island in the Sky, deuxième jour. Et il est 7h du matin et nous allons à Mesa Arch. L'avantage de dormir dans le camping juste à côté, c'est que on s'est levé il y a 20 minutes. Et on a le café. Allez, on va aller voir, mais je pense que ça va être déjà un peu trop tard pour avoir l'effet de lumière par en dessous. Le soleil s'est levé il y a déjà 45 minutes. Mais on va voir ça, ça va être beau quand même. Le point de vue est chouette. On est tout seul. Calme. Et finalement, on n'est pas arrivé trop tard. On est pile quand il faut. Allez, nous on apprécie. Canyonland, c'est grand, grand, grand. Et il y a deux parties. Island in the Sky et les Needles. Et Island in the Sky est plus connu. Il y a eu plus de monde que Needles parce qu'il y a Moab juste à côté. Et ils ont, avant que ça soit un parc, eh bien, ils ont trouvé de l'uranium. Et c'est vrai. Et c'est magnifique. Ah, et la rando pour y aller, c'est genre 300 mètres. Donc c'est vraiment juste à côté du parking. Donc ne ratez pas, donc soit le matin tôt, genre on va dire une heure et demie maximum après le lever du soleil. Sinon vous êtes face au soleil, donc ça c'est pas top. Sinon je pense que la vue le soir doit être pas mal aussi. Avec la vallée, le soleil qui se couche sur la vallée. Nous on va aller au Visitor Center, on n'y est pas passé hier, parce qu'on est vraiment tracé pour aller au camping. Donc là on va s'arrêter aujourd'hui. De roche. Alors
faites attention parce que Needles, hein, c'est quand même à plus de 2 heures de route de... avec Landing in the Sky pour descendre par Moab et refaire tout le tour. Donc ça se fait pas dans la même journée. Nous, je pense pas qu'on ira jusqu'à Needles. On va plutôt se focaliser là sur Island in the Sky. Demain, on passera aussi au State Park d'Eders Point, qui est juste à côté d'Island in the Sky et qui donne un peu d'autres vues sur le Colorado. Donc là, Island in the Sky, c'est coincé entre la Green River et le Colorado. Je pense qu'ils l'ont appelé Island in the Sky parce qu'en fait, moi je savais que le Colorado et la Green River, eh bien, en fait, ça fait comme une île, mais dans le sud qui est les hautes, c'est bien, c'est la partie haute, et bien ils ont dit que c'est Island in the Sky. Là, on était juste en face du Visitor Center, et oui, on voit la Shepherd Trail Road. Il descend le long de la montagne comme ça, alors il faut un 4x4 un peu haut. Poser la question au ranger de savoir dans quel état est la piste aussi. Nous on l'avait faite en 2012, avec, je vous mettrai les liens de la vidéo, mais c'est, en gros c'est le voyage de 2012. Il y avait déjà quelques vidéos. C'est assez impressionnant hein, comme descente. Il y a 5 ou 6 miles de descente, et après il y a je crois 10 ou 15 miles pour, de plat, ou presque, pour rejoindre Moab, par la Potash Road après. Ça, on ira peut-être voir la Potash Road avec les bassins de potasse bleus pour que ça s'évapore plus vite. En tout cas, c'est chouette. Et on voit vachement loin. On voit la montagne là-bas au fond. Je sais pas trop ce que c'est comme montagne, mais c'est impressionnant. C'est des Needles. Regarde bien les roches. Comment tu... Ça fait, tu vois que ça fait plus des pics. Ouais. Plus comme des... Des hoodoos. Et là, t'as vu l'empreinte de dinosaure? On est là. Après, t'as une couche là de... Non, qui est l'autre plateau. C'est le plateau là en bas. Et tu vois que ça fait bien blanc. Sur les bords. Oui. Et puis après, là c'est la creux. Et là, des creux. C'est... Est-ce que tu vois où passe le Colorado? On voit là-bas, regarde, tu vois, il y a un petit peu de vert. Ah oui. On peut dire où on est. Quoi? On peut dire où on est. Là, on est en train de faire Grand View Point Trail. C'est fou la vue qu'on a d'ici, à 360 degrés, voir du vide à des endroits, mais ça va, c'est pas dangereux, sans attention c'est pas dangereux, c'est trop chouette avec les montagnes enneigées un peu partout, l'avantage d'être seulement début mai, c'est qu'il fait
fait pas trop chaud et qu'il y a encore de la neige sur les sommets au loin. Et qu'il n'y a pas trop de monde non plus. À part des petites squirrels. Il y en a un aussi là. Il a trouvé un truc à manger. Une chips. Il y en a un autre. Il y a un maïs aller et deux maïs aller-retour. En une heure et quart. Et c'est pas facile, c'est moyen. C'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des escaliers et les marches elles sont très hautes. Et on aura mis une heure et quart à peu près pour faire l'aller-retour, en se posant 5 minutes en haut. Donc c'est un des points de vue et de rando à faire. Allez, on va retourner au camping, manger, puis se poser pour l'après-midi. Là, ce soir, on ira peut-être voir le coucher de soleil de où on était déjà hier soir. Il est vraiment là le coucher de soleil. Il y a moins de vent qu'hier. Demain, ça va souffler très fort par contre. Il y a un cruise américain juste à côté de nous. C'est un jumeau. Donc c'est un state park, donc le pass des parcs nationaux ne marche pas, c'est 20 euros. Plus cher d'ailleurs, je trouve. Pour 48 heures, vous pouvez y rester 2 jours. Et on va aller voir quelques points de vue. Et on vous montre ça comme d'habitude. Venez avec nous. Des bassins pour faire évaporer l'eau riche en sels minéraux, entre autres du potassium. Et donc ils injectent de l'eau dans la mine de sel. Ils remontent de l'eau très salée, ils la font évaporer, ils rajoutent du colorant bleu pour que ça s'évapore plus vite. Et donc à Dead Horse Point, on est allé voir le point de vue au bout. On a fait une petite boucle de quoi, 1,5 km à peu près, histoire de voir un peu le bord. Et là, on est au Visitor Center. Il y a une petite expo sur l'époque des cow-boys, enfin des gardiens de vaches, vraiment dans l'idée gardiens de vaches, avec un campement. C'est-tu confortable quand même? Il y a extra beaucoup de vent! Non, je fais la blague. Non, il y a énormément de vent. Là, on fait le petit nature trail qui est à côté du visitor center. Parce que Joshua, il y a quand même, même si c'est pas un parc national, c'est un parc d'État, il y a quand même un junior ranger. Et donc, il a quelque chose à renseigner.